Alors la vérité, vous voulez que je vous dise la vérité? Oui? Oui ou non? Je me rappelle toujours que des bons souvenirs. Les mauvais souvenirs, ça s'efface très vite. Mon frère m'a présenté un grand garçon, timide, et c'était Johnny. Voici l'histoire d'une passion légendaire, celle d'un couple auquel les Françaises et les Français se sont attachés. Pourquoi Johnny et Sylvie restent toujours indissociables? Des icônes, deux héros que le public a adoptés et qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Le bonheur me fait peur, mais il fait peur. Citez-moi quelqu'un à qui le bonheur ne fait pas peur, à moins d'être normal. Vous allez entendre les confessions de Johnny, mais aussi la voix de Sylvie, qui a accepté de manière exceptionnelle de revoir et de commenter les images rares de ce tourbillon. Il y avait beaucoup de passion partout, de la part du public, entre nous, le métier, les voyages, c'était vraiment la fureur de vivre. Il n'y aurait pas de belles chansons d'amour s'il n'y avait pas de la souffrance quelque part. S'il y a une période qui cristallise à la fois la ferveur et les tourments, la force des sentiments et les germes de la séparation, c'est bien l'année 1971. La route aura raison de mon âme et de moi-même. C'est l'amour. Moi, je suis un passionné. C'est tout ou rien. Ou j'aime, ou j'aime et j'adore, ou je n'aime pas. Cela fait alors près de 10 ans que leur histoire s'écrit à deux. La fureur de vivre et d'aimer est loin d'être éteinte. Mais cette passion est malmenée par l'autodestruction de Johnny et l'impuissance de Sylvie à l'empêcher de plonger. Quand les filles se précipitent sur moi, ça me prouve quand même qu'elles m'aiment bien toujours. Il faut quand même avouer que mon tour de chant... Tout ce qui se passe dans ma vie est quand même assez sexuel. Pour les filles, surtout.